réalisé récemment au mois de décembre l'exploit, je dis bien c'est un exploit, de battre l'imbattable Senshai Soaking Star, qui est une légende vivante qui pratique et qui est encore pratiquante et qui est toujours une légende. Senshai, cette personne, Saketao, s'est permis le luxe de le battre. Ouais, c'est un tueur. C'est un tueur. Ce Saketao, alors que Mehdi Zatou se présente, il vient de Noisy-le-Sec. 74 combats, donc je disais, 28 victoires par KO, 8 défaites, 2 fois champion de France. Mehdi Zatou. Mehdi Zatou qui montre toujours beaucoup de cœur hein, sur le ring. Une histoire assez, assez unique. Vous le savez, hein, c'est 5 rounds de 3 minutes une nouvelle fois. Le rituel où l'entraîneur enlève le Mongkon qui est cet anneau qu'on porte au-dessus de la tête. Et c'est parti. C'est parti pour ce premier round entre Zatou et Saketao. Différence de taille, Saketao paraît un peu plus grand. Il a un petit 10 cm de plus, peut-être même un peu plus, peut-être 15. Saketao, non, on travaille avec les jambes. Pour l'instant, aucun coup porté. On s'observe. Et le premier coup, voilà, le high kick de Zatou, bien contré par Saketao. Esquive, belle esquive, très belle esquive. Qu'est-ce qu'il est concentré, Mehdi Zatou, on voit son regard. Fin de front kick, balayage. Saketao qui réagit là. Kiraiki qui n'est pas passé, les points de Zatou. Oh, il sent l'anglaise là. Et le jeu de jambes également. Coup de genou. Zatou, le crochet du gauche n'est pas passé. Et voilà. Saketao. Les corps à corps. Là, les corps à corps qui sont généralement à l'avantage des tailles. Ah, l'arbitre arrête. Ah, il a arrêté très rapidement. Cette fois-ci, aucun coup de genou porté. On est reparti. Et Saketao qui avance sur son adversaire. Ah, il recule, Mehdi Zatou, il réagit avec les poings. Oh, au belle corps, série d'anglaise. Au visage, le pied également. Le middle kick qui a touché Saketao. Et la séquence de coups de genou là, dans ce corps à corps, Zatou au sol. Saketao, il ne se laisse pas impressionner par la salle. Il enchaîne les coups là. Et Zatou qui réagit avec les poings. Il continue à reculer. Alors qu'on est dans la dernière minute de ce premier round. Allez, les encouragements du public de Bagnolet pour Mehdi Zatou. Qui continue à reculer toujours. Attention. Avec cette séquence de corps à corps. Mehdi Zatou qui recule peut-être un petit. Il est pris, hein. Il est pris par le Thaïlandais. Là. Oui, le Thaï qui avance, ça c'est assez étonnant. Les Thaïs qui aiment bien boxer en retraite. Et là il avance. Le coup de genou une nouvelle fois. Zatou qui réagit, qui répond même. Et maintenant le corps à corps. Ah, vite arrêté par l'arbitre. Zatou recule. Ah, faut pas rester dans le coin, Mehdi. Sort du coin. Ah, et le coup de genou de Saketao. Ça continue. Ah, il y en a eu trois là. Le gong a sonné. Et trois coups de genou de Saketao. Ça y est. Le deuxième round. Et trois minutes une nouvelle fois. Et ça commence par un front kick. Ah, et le Thaï qui continue son pressing. La réponse de allez, Mehdi, Zatou. Il faut frapper là, sans l'anglais, c'est bien comme ça. Voilà. La séquence de coup de genou, là il termine au sol, Zatou. Saketao qui continue là son travail de sape. Il ne doit absolument pas se laisser saisir la nuque. Il a failli glisser. Le front kick qui n'est pas passé de Saketao, qui reste bien concentré. Petite séquence de low kick là, juste devant nous d'ailleurs. Allez Mehdi, il faut taper là. Il continue à reculer, Mehdi Zatou là, c'est pas la bonne stratégie.
Saket Dao qui est pris là par Zatou. Une séance de corps à corps une nouvelle fois. Et l'arbitre qui intervient. On est reparti. Zatou qui essaye de placer ses points, mais pour l'instant ça ne veut pas. Le high kick qui a touché l'épaule de Saket Dao, c'est pas suffisant. Ah, le corps à corps. Mehdi doit à tout prix éviter ça, car il se fatigue. Et le Thaï qui avance. Ah oui, il continue toujours à avancer, Saket Dao. Il fait sa pression. Jambe gauche, bras gauche. Un coup de genou là dans le corps à corps une nouvelle fois. À la moitié de ce deuxième round, Zatou n'a toujours pas bien montré tous ses coups. J'ai l'impression qu'il subit. Ah, il s'est laissé saisir, ne pas se laisser saisir. Oh, il a été touché là. Oh, la réponse, heureusement, Zatou. Il a réussi à répondre. Mais attention, une nouvelle fois reculé là dans le coin. Les séances de corps à corps qui fatiguent vraiment l'adversaire. Oh. Cette fois-ci il est passé, Saket Dao, il s'en est pris un petit coup du gauche là, et Zatou qui commence à appuyer, il commence à appuyer les points. Ah, il reprend là. Le front kick. Le front kick de Zatou, voilà, ça y est, la dernière minute de ce deuxième round. Zatou qui commence à attaquer, qui commence à montrer sa boxe. Nouveau corps à corps, vous le disiez, ça fatigue, l'arbitre qui met fin. On est reparti pour les dernières 40 secondes de ce deuxième round. Et Zatou qui continue à reculer, peut-être pour mieux attaquer, on va voir ça, la belle feinte là. Est-ce qu'il évite, faut remiser. Et Mehdi qui marque des points. Oh, voilà, là, quand il rentre comme ça, c'est bien là. Il faut bousculer le Thaï. Ouh, la séquence de boxe anglaise là, de Zatou. Hey, Saket Dao qui réagit, qui a répondu même, qui l'a touché Zatou. Et le corps à corps. Terminé, on est reparti. Fin du second round. Ah, le Thaï a pris. Ici, donc pour dans quelques instants, le troisième round, de nouveau 3 minutes. On rappelle qu'il y en a 5 au total. Oh, un coin glissant, un clan rempli d'eau, il faut s'éponger. Piton Tchèque. Ouais, le Thaï doit éponger le coin. Allez, c'est reparti. Oh, et oh, c'est Mehdi qui commence fort. Ah oui, il lui a mis une droite là, Zatou. Oh. Le low kick. Oh, ça accélère, ça accélère. Zatou qui reste à distance pour l'instant. Allez, le front kick. Saket Dao qui vient au corps à corps avec le coup de genou, attention. Et Zatou qui va repartir avec les points. Saket Dao qui réagit avec les pieds là. Attention, les coups de genou, balayage. Saket Dao très offensif. Ah oui, avec cette séquence de corps à corps qui lui réussit à Saket Dao. C'est ce qu'il recherche, j'ai l'impression. Il recherche le corps à corps. Middle kick, oui, on est reparti là, encore à corps. Anglaise et corps à corps. Ah, l'arbitre a failli se prendre un coup de genou. Dangereux comme métier, arbitre. Et il commence à se chauffer là avec le front kick de Zatou. Et Saket Dao qui lui a mis en gauche là dans le visage. Et une nouvelle séquence de corps à corps. Zatou, c'est pas son, c'est pas sa boxe ça. Il met la pression, Saket Dao, il avance. Oh oui, il avance là, on l'a senti. Il a failli mettre un coup de coude. Saket Dao qui a l'air bien ouvert à l'arcade. Dao, et Zatou là qui met quelques coups de genou. L'arbitre qui met fin à cette séquence, la dernière minute de ce troisième round. Ouh, Saket Dao là. Il n'y a pas de main morte.
qu'est-ce qu'il est offensif, Sakedao là. On a vu sa petite blessure lui a réveillé les esprits. Et Zatou qui subit avec ses coups de genou. Et il attaque sans cesse Sakedao. Et Zatou qui subit pour l'instant. Allez, marquer des points avec les coups de genou. Allez, plus que 10 secondes dans ce troisième round. Et le Thaï qui avance et qui frappe, jambe gauche, genou gauche. Ouais, c'est terminé. Allez, cloche terminée pour ce troisième round. Mehdi arrête un petit peu de reculer. Allez. Attaque avec jambe gauche, saisie encore à corps. Quatrième reprise. Une quatrième reprise. Oh, là, c'est Mehdi qui attaque là. Ah oui, il a décidé d'attaquer avec les points Zatou là. Allez, Sakedao qui. Il faut y aller, voilà, très bonne droite. Et là, Mehdi qui arrête. Ah, la balayette qui a failli passer là de Sakedao qui continue à travailler avec les genoux. La réponse de. Zatou, l'arbitre qui met. Zatou qui s'accroche bien au Thaïlandais. Voilà, jambe gauche. Quel point fort de Sakedao. Très rapide. Et Sakedao qui empêche Mehdi Zatou de travailler, qui avance, qui met un pressing constant. Sakedao qui continue à avancer. Zatou qui a essayé de placer une droite là. Zatou qui est pris là dans les cordes. C'est un combat de corps à corps. Ah oui. Zatou qui recule. Avec un front kick là peut-être pour avancer. Il a repris au corps à corps le Thaïlandais. Séquence terminée par l'arbitre avant de repartir. Ouais, Sakedao là qui met sur le reculoir. Zatou, il l'a touché là avec le high kick. Ouais, Zatou continue à reculer là. Il est pris par le Thaïlandais une nouvelle fois. Sakedao qui n'arrête pas d'avancer. Chaque fois que l'arbitre retire les deux hommes, vous verrez Sakedao repartir directement. Les atouts reculés. Ah, un genou. Il reste 20 secondes dans ce quatrième round. Esquivé. Ce high kick par Sakedao. Zatou pris au corps à corps. Pas baisser la tête. Judo au visage pour être fatal. C'est pour ça que Mehdi Zatou s'accroche. Ceinture, Sakedao. C'est terminé pour ce quatrième. Ouais. À qui l'avantage pour l'instant Zatou, 74 combats, 28 victoires par KO, 8 défaites. Deux fois champion de France. Et Sakedao, 65 combats. Mais 65 combats à Bangkok, on ne compte pas les combats en province, ce qui peut au moins doubler. On est reparti là dans ce cinquième round, le dernier. Mehdi, il faut taper là. Ah, Sakedao qui le prend là. Pour gagner, il faut taper. Et du corps à corps, encore le corps à corps. Il a réussi à placer quelques coups de genou là, Zatou. C'est avec les points là qu'il faudrait qu'il arrive à toucher le Thaïlandais qui, on le rappelle, est touché à l'arcade gauche. Ah, le front kick qui a été refusé par Zatou. La droite qui a ébranlé Sakedao. Ah, et la droite avait bien passé là. Et Sakedao qui reprend encore.
Ce corps à corps, ça casse un petit peu le combat. Un petit peu, ouais. Mais bon, on va revoir ça. La Saketa Dao qui repart justement dans ce corps à corps. Un corps à corps qui manque un peu de coup de genou. Hein, parce qu'il s'attrape, mais il n'en voit pas assez de genoux. Zatou qui recule, il s'en est pris une là, à la droite, qui a touché le visage direct de Zatou. Du gauche, dans le nez. Bah en fait, Saketa Dao est gaucher. Donc son point fort, c'est le gauche justement. Et Saketa Dao qui continue avec sa jambe gauche. Ils sont dans le coin là, les deux boxeurs. Enfin cette séquence, 6 minutes 30. On est à la moitié de ce cinquième round. Allez, allez Mehdi. Allez Mehdi, ne pas subir. La Saketa Dao qui continue. Oh, il a passé la droite. De Mehdi. Allez, il ne faut pas faire corps à corps, il faut faire de l'anglaise. Une minute. C'est là son point fort. Une minute. Pas se laisser accrocher. Allez, 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 Mehdi. Allez, sans sortir l'anglaise, sortir Mehdi Zatou. Ah, Mehdi Zatou qui est pris encore par le corps à corps du Thaïlandais, Saketa Dao. Ah, la jambe coincée entre deux cordes. Mehdi doit arrêter. Allez, les dernières secondes. Mehdi Zatou. Ouh, Mehdi qui attaque. Oh, oui, il était monté là avec sa droite. Attention, il ne tombe pas. Très bien, bravo. Un combat très dur pour les deux hommes. Très physique, quelle endurance. Les deux hommes sont marqués, ont les flancs rouges les deux. Allez, coup de genou, voilà, la ça, séquence. C'est des coups de genou, c'est comme ça qu'on gagne. Allez, marquer des points à tout prix là. Oh ah, dommage, dommage, ce n'est qu'un simple. Une simple perte d'équilibre. La réponse avec le low kick de Zatou qui le prend le Thaïlandais au corps à corps là. Avec la séquence de coup de genou. Attention, faudrait pas basculer. Et c'est terminé. Fin du combat. Combat intense. Ah, très 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 intense. Et la belle image. Allez, on peut applaudir les deux boxeurs. Et le dernier vainqueur au point de ce combat. Saketa Dao. Ouais, victoire pour Saketa Dao. Ça serait sa 41e victoire. Qui a été plus offensive, qui a constamment marché sur son adversaire, ne l'a pas laissé récupérer, ne l'a pas laissé respirer. Victoire méritée. On peut s'en vouloir tout de même, Zatou, non, d'avoir... Est-ce que c'est la boxe du Thaïlandais qui l'a mis sur le recouloir ou... Il ne l'a pas laissé réfléchir, il a constamment avancé. Vous savez, Mehdi a une... Il ne l'a pas laissé travailler, il a constamment avancé, il a mis un pressing constant.